Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Mika, comment allez-vous? Pour ma part, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle petite vidéo en gestion de secours. Alors, on se retrouve ensemble sur CTA Pompier. Alors, CTA Pompier, c'est quoi? Alors, CTA Pompier, si vous voulez, on va dire, interpréter, donc on va dire une salle comment je pourrais dire ça? Une salle de régulation, voilà, où vous prenez tous les appels qui arrivent au secteur 18. Alors, avant d'entrer donc de vous montrer globalement ce que vaut ce jeu, je tiens à préciser que ce jeu, ça fait très très longtemps qu'il est sorti, donc CTA Pompier. J'ai envie de dire à ma gauche, donc vous voyez donc le jeu, la communauté, mon compte, et voilà. Alors, il faut savoir que CTA Pompier, donc c'est un jeu de simulation où vous interprétez, on va dire, donc un sapeur-pompier qui est dans sa salle d'appel. Voilà, en gros, on va faire plus simple. Vous êtes sur une plateforme d'appel des pompiers. Voilà, donc là vous avez le classement. Voilà, donc tous les gens qui jouent, donc la réussite, les véhicules envoyés, la popularité, l'expérience, les interventions. Voilà un peu pour le top, on va dire le top 20. Vous avez les classements des alliances. Donc là, vous avez donc le. Donc vous avez la team, voilà, la Moselle, le S10-38, c'était à Codis 13, S10-22, S10-61, S10-Loiret. Voilà, bref. Vous avez à peu près tous les. Les COS, les. Voilà, les CTA. Voilà, il y a le Codis 67, il y a la BSPP, BSPP. Voilà, bon, voilà. Ensuite, vous avez donc en même temps. Les améliorations. Alors là, on passe sur une page. Voilà, donc le jeu est souvent mis à jour aussi. Je tiens à le préciser. Donc, sont faits par des gens. Hein, donc voilà, qui sont vraiment intégrés au jeu, qui le mettent souvent à jour. Moi, j'y vais pas souvent, mais de temps en temps, j'y vais un peu. Voilà. Moi, j'aime plutôt bien. C'est un petit jeu qui est à part entière de farming et tout ça. C'est plutôt assez sympa. Donc là, vous avez un peu, voilà, c'est un peu les news, hein, les breaking news de ce qui se passe dans le jeu. Vous avez le FAQ, ma messagerie, chat, forum, et ça c'est la partie personnelle. Voilà. Nous, on va commencer, on va donc revenir ici, nous on va revenir là, voilà. Je sais pas si ça l'a fait, je ne l'ai pas forcément fait. Hop, si c'est bon, voilà. Donc abonnement en chef de salle, vous n'avez pas d'abonnement en chef de salle, bon, bah, on s'en fout, hein, en soi. Donc vous avez les parties open, vous avez les parties en alliance, vous avez rejoindre une partie et vous pouvez aussi rejoindre des alliances. Moi, souvent, la plupart du temps, je joue seul. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce jeu? Alors, plein de choses, les amis, plein de choses, plein de choses. Vous verrez. Le soir, il est plutôt assez sympa. En soi, on va lancer le jeu déjà. Hop. Donc voilà. On arrive donc sur la plateforme. Alors, ce qu'on va faire, on va. Tac. Pour le temps que je vous explique. Hein. Donc là, vous avez le mode solo. Vous avez les billets, vous avez les pièces et vous avez l'XP. Donc nous sommes samedi 8 février 20h45. Donc cette vidéo est tournée voilà, aujourd'hui et elle sera publiée demain. Nombre d'interventions 0. Nombre d'interventions en cours 0. Donc total et en cours 0-0. Et véhicule en intervention 0. Là, on a des appels entrants. Donc, vous pouvez refuser l'appel tout comme vous pouvez l'accepter. Ici, c'est pour fermer votre standard. Voilà, connexion au serveur. Vous mettez, voilà, je suis pas disponible. Voilà. Donc, appel vers le 18 et le 112. Alors, nous, notre carte, c'est ça. Voilà, notre carte, je vais pas vous mentir, c'est tout ça. Alors, attendez, on va faire un petit truc. Hop, tac. Voilà, notre carte, nous on se situe ici, donc voilà, nous on s'occupe de Belfort, dédicace au Belfort, hein, voilà. Alors, il faut savoir, donc vous avez donc votre cartographie, vous avez donc les synoptiques des opérations, donc là on n'a encore rien, on a les synoptiques de moyens, donc là voilà, c'est tout ce qu'on peut avoir, le poste radio, le chat, les billets, les options, voilà. Donc tout ça, donc après on peut changer, hein, voilà, un joueur, voilà, il y a tous les départements. Les aides, si jamais vous avez un souci, donc voilà. Ça, bah, ça c'est bien, c'est un peu la légende, hein, en soi. Donc accident, incendie, secours à personne, secours, intervention spécifique, feu de végétation, intervention diverse, et risque technologique, voilà. Après, il y a donc disponible, indisponible,
avisé de se déplacer, avisé de se déplacer, pareil. On a la disponibilité, alerté, partir sur les lieux, en route disponible, en route indisponible, transport CH, arrivée CH. Voilà. Ça s'appelle les légendes pour ceux qui ne savent pas trop un peu les couleurs. Voilà. Alors, on va revenir dans le jeu, je vais remettre un peu de son. Donc ici, alors, je tiens à préciser, ici, donc, vous pouvez changer le plan. Donc vous pouvez prendre Open Street Map, Google, donc on va dire Google Map en soi, et vous avez, c'est tout, voilà. Donc là vous pouvez changer la sonnerie du téléphone, les icônes, la voix, les notifications, nouvel appel, donc on peut l'afficher à la carte, hein. Chat, enregistrement de zone, voilà. Hop, nous, donc on est parti. Alors, je vais remettre le son, voilà, quand même. On prend l'appel. Donc là en fait, donc à chaque fois il faut savoir. Il y a un petit bug je pense surtout. Voilà. Donc il faut savoir une chose, les amis, c'est que bien évidemment vous avez forcément donc un peu une, j'ai envie de dire une petite bio. Donc voilà, bonjour, ici le SAMU. On a une téléalarme qui s'est déclenchée pour une femme de 78 ans. Apparemment, c'est une chute. La porte est fermée. Donc là, en gros, vous venez en aide un peu au SAMU. Donc là, vous avez vu, l'icône est apparue juste ici. Juste là, il est apparu. Voilà. Donc, on soit rien de bien méchant. Donc là, vous faites envoyer les SP. Alors, souvent ici, vous aurez des questionnements. Donc vous entrez ici vos observations, donc voilà, vous pouvez marquer une personne âgée, de voilà. Ou parfois vous prenez les voilà, vous marquez femme de 78 ans. Moi c'est ce que je fais femme de 78 ans, homme tel et tel âge, et je prends, on va dire, l'information la plus capitale. Pourquoi on y va? Donc c'est un peu la fiche de route des pompiers, quand ils arrivent sur place, ils ont déjà connaissance un peu, j'ai envie de dire, des circonstances, voilà. Donc parfois je sais plus trop où c'est. Donc là, vous avez vu, donc vous avez secours en milieu périlleux, intoxication, menace, voilà, de se jeter à l'eau. Les accidents, les feux de végétation, les incendies. Ils ont fait ça bien, hein. Secours spécifique, voilà. C'est plutôt, aussi, ça tombe plutôt bien. Secours d'hiver, donc là, c'est assistance à personne, voilà. Nous, on fait donc une ouverture de porte, hein, voilà. Donc là, ça vous met automatiquement le véhicule disponible. Donc là, c'est un VID. Vous pouvez faire ça et vous faites donc engager. Voilà. Alors là, ça a été engagé. Et là, vous allez ici. Et là, vous avez vu donc voilà, Belfort Nord. Hein, donc vous avez carrément parfois même les indications. Voilà. Après, vous avez donc le véhicule, type, numéro, description du véhicule. Donc c'est véhicule d'intervention divers, statut alerté, kilométrage 2. Voilà. C'est plutôt assez bien poussé. En soi, le délire de ce CTA pompier, c'est quand même bien poussé au réaliste le jeu. Voilà. Là, vous avez vu les informations sur l'opération, ouverture de porte, adresse. Donc, en attente de départ, service appelé, aucun service contacté. Voilà. Après, vous pouvez même mettre parfois les petits haut-parleurs. En attente de départ, en attente de départ. Voilà. Hein, en attente de départ, en attente de départ. Vous avez carrément, voilà, parfois les... on va dire un dialogue. Là, il y a le véhicule qui est affiché ici, donc sur la carte. Donc vous voyez qu'il part bien évidemment d'une caserne, d'où je ne sais pas, une caserne. Alors, voilà. Alors souvent il y a un petit bug avec le son. Parfois ça se met, parfois ça se met pas. Ça dépend. Parfois ça va tout de suite le prendre, parfois pas. Donc bon, vous inquiétez pas. Hein. Ça fait une ou deux fois et encore. Et quand vous avez donc parfois des appels comme ça, vous pouvez faire ça. Oui, ici la téléalarme, débarquez dedans. Je vous appelle pour Mister Vasquez, 71 ans, qui est tombé chez lui. Il est incapable de se relever. La porte est ouverte et il n'est pas blessé. Merci. Donc voilà. Donc on peut donc, on n'a pas forcément tout le temps envie de lire, on peut mettre ça et c'est beaucoup plus simple. Alors là, on fait donc secours à personne. Voilà, on fait ça et on fait logiquement, moi logique, après moi, pour moi, ce qui est le plus, on va dire, normal, c'est relevage de personnes. Voilà. Donc là, un VSAV 01,
qui est donc demandé. Là, pareil, il n'y a pas de questionnement, donc ça ne sert à rien de mettre. Il faut savoir, pour ça, je l'utiliserai par la suite, je vous montrerai à quoi ça sert. Vous verrez, c'est un petit truc en plus, c'est tout aussi sympa, ça apporte un peu plus de réalisme. Donc comme je disais, donc on a les accidents, on a donc les feux de végétation, je les remontre encore une fois, les incendies, on a les interventions spécifiques, divers, reconnaissance, et risques technologiques, secours à personne, et secours divers. Alors je vous le montre en express, si vous voulez le jeu, voilà, il est téléchargeable sur internet, c'est un jeu totalement gratuit, il n'y a rien à payer. Voilà, c'est un jeu à part, vraiment, il n'y a pas de besoin de compte Steam, il y a, voilà, il y a quasiment rien besoin. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas me l'engager, parce que oui, parce que j'ai pas, oui, voilà, j'ai pas mis ça, relevage de personnes, hop, tac, voilà. Donc, c'est un jeu, oui, totalement gratuit, il n'y a pas besoin d'avoir de compte Steam, hein. Voilà, je vais vous le prouver, donc vous allez là, c'était à pompier, hop, vous allez ici. Donc là, ça charge un peu. Tac, tac, tac. Zou, vous allez là, et là, vous créez votre compte. Voilà. Donc, après, voilà. Moi, c'est parce que je l'ai déjà fait, mais en gros, vous créez votre compte. Et boum, voilà. Vous pouvez jouer gratuitement. Bonjour, maman a chuté des marches devant l'immeuble et je n'arrive pas à la relever. Oh, il y a beaucoup de relevage de personnes ce soir. Qui se passe-t-il ? Alors c'est aussi un style d'algorithme, hein. Donc là vous avez vu, là d'un seul coup, là on peut marquer, donc on va marquer femme 2, voilà, donc là, voilà, 88 ans, chute, hop, ah, voilà, elle a mal à quelque part, oui, un peu à la tête. Et là, on met donc plus mal de tête, par exemple. Hein, voilà. Alors, je vais pas faire les chapeaux sur l'été. Hein, je n'ai pas envie de me... voilà. Mais elle ne saigne pas. Par contre, elle ne se souvient plus de ce qu'il s'est passé au moment de la chute. Donc, avec peut-être un risque de trauma. Voilà. Donc, en soi, là, vous faites donc secours à personne. Moi, là, dans ces cas-là, ce que je fais, je mets donc... malaise et blessé voie publique. Moi, c'est ce que je fais. Après, là, ce que vous pouvez faire, si jamais vous n'êtes pas sûr, avec un trauma, si vous êtes plus dans le métier, voilà, vous pouvez faire appel au SAMU, transférer au 17, transférer au SAMU, régulation 15. Souvent, parfois, c'est des appels. Parfois, il y a des appels aussi un peu à la con. Quand je dis à la con, c'est des canulars. Parfois, on vous appelle. Voilà, ils ont aussi fait un peu ce côté-là, on vous appelle et c'est pas du tout une question de feu, de vie ou de mort. Non, c'est juste, voilà, c'est juste un petit canular, voilà, rien de plus. Donc là, vous avez vu, aucun service, donc voilà, contacté. Vous avez donc les moyens qui sont engagés, poste radio, en attente de départ, en attente de départ, en attente de départ, bah, d'accord, bravo. Voilà, hop. Parti. Voilà, là, ils sont partis. Parti. Voilà. En attente de départ, en attente de départ. Voilà, ah bon, parfois la voix est pas très, voilà, elle est pas très simple. Alors là, hop, là, voilà. Là, vous avez les VSAV. Donc, vous pouvez vraiment bien zoomer, hein, en soi. Donc ça, c'est donc les personnes qui tombent, hein, donc voilà, dès que c'est, comme on a dit, hein, au niveau des aides, hein, voilà, on va ici, hop, tac, et là, on voit que c'est, hop, 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 voilà, hein, secours à personne, voilà. Vous avez toujours un peu cette légende, vous pouvez le chercher dans aide, hein, n'oubliez pas, si jamais vous ne savez pas trop, vous allez ici et tout est dit. Donc là, on est en 3, donc en intervention totale, intervention en cours 3, 3 véhicules en intervention, voilà. 3 partout, 3 partout. Alors, au passage, je bois un petit coup, voilà, hop. Tac. Alors souvent, quand il y a des gros feux, des grands moyens, souvent on vous demande en plus... de rappeler des renforts, donc vous aurez votre poste radio qui va faire un bruit comme de talkie-walkie et qui va vous demander plus d'informations ou plus de moyens. Voilà, tout dépend de la circonstance et de l'ampleur du sinistre. Voilà, on n'en a pas encore eu, peut-être qu'on en aura au cours de ces vidéos, je suis pas sûr.
Tout dépend, comme dit, hein, c'est un algorithme, donc c'est pas moi qui choisis les interventions, on va dire qu'on me les donne, donc voilà. Il faut savoir se préparer à tout et à bien réfléchir à ce qu'on envoie et à ce qu'on fait. Voilà. Pour les petites informations de base. Trouver donc la carte, hein, voilà. Nous, bon, moi j'aurais bien aimé, j'aurais plus voulu personnellement, bon, j'ai pas pu, mais moi ça aurait été cool, j'aurais voulu être ici. Hop, tac, ouais, vers là. Moi, non, même pas vers. Oh, attendez. Pas Célesta, pas Colmar. J'aurais préféré être au centre de secours de Mulhouse. Mais bon, voilà, j'ai pas pu choisir. Donc bon. Je suis à Belfort. Tout aussi bien Belfort, je n'ai rien contre Belfortin. Ah, voilà. Donc, sommes en présence d'une porte blindée. Et donc là, vous avez vu, vous avez entendu le petit bruit. Et voilà, vous allez ici. Donc, nous sommes en présence d'une porte blindée. Je demande une EPA en renfort pour accéder à l'appartement par l'extérieur. Voilà. Donc là, vous faites renfort. Donc là, ce que vous pouvez faire, donc vous faites EPA. Je sais pas si ça va nous chercher. Voilà. EPA 01. Tac. Vous faites engager. Donc là, vous avez vu, vous avez entendu le petit bruit en mode radio. Voilà. Hop, je t'appelle. Collègue, j'ai besoin de renfort. Bah, hop, boum. Tac. Ça t'envoie tout de suite une petite notification de jeu en renfort. Et voilà. C'est plutôt cool. Ça, c'est. Avant, ça n'y était pas. C'est vrai qu'avant, c'était assez basique. Tu prenais les appels. Bon, voilà. Ça, on ne se souciait pas trop comment ça se passait. Là, maintenant, c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup plus poussé le délire du jeu vraiment à son maximum. Encore, il y aura encore plein d'autres, bien évidemment, j'ai envie de dire, mises à jour de ce jeu. Mais là, pour l'instant, c'est vrai qu'on est quand même plutôt pas mal. Pour moi, pour ma part, je trouve qu'il est quand même sympathique ce jeu. Et ça change en même temps un peu de farming, mais ça reste dans le secours. Voilà, on reste sur de la simulation, pas au sens propre avec du Steam, mais quand même avec une certaine simulation de gestion de secours. Voilà. C'est un peu comme Secteur 18, mais différemment cette fois-ci, celui-là. Mais moi, voilà, j'aime bien. Ça change un peu. C'est un peu plus calme, hein, vous avez vu. Alors parfois, ça va bombarder. Vous allez avoir des appels, des appels, des appels, des appels. Et d'un coup, vous n'avez plus rien à voir. Et comme dit, vu que c'est un algorithme, ben voilà, ça dépend. Mais en soi, il est plutôt cool. Ouais, plutôt cool. Donc le PA est là. Donc le PA. Je sais pas si elle est partie. Est-ce que le PA en attente de départ, elle n'est pas encore partie. Donc si vous avez vu, entre parenthèses, renfort, hein, voilà. Voilà. Faut pas tarder à partir de toute façon. C'est même sûr. Donc ça c'est le canal radio. Voilà. Donc là, vous avez tous les véhicules. Nous le PA01, elle est là. Donc EPA01 en blanc. Donc elle est alertée. Voilà. PA est parti, donc là elle est alertée, là il vient de partir. Voilà. Donc il y a quand même, ouais, quand même pas mal de véhicules qui sont engagés pour le coup. Vous avez les CSP, les CPI, ouais, c'est plutôt, non, c'est plutôt un bon. Et vous avez les CS, les SAV 01 sur lieu, donc ça va être, je pense. Ouais, c'est plutôt lui, voilà. Donc, immatriculation, caserne, véhicule de secours, statut, intervention, voilà, nombre de pompiers à bord, garde, voilà, c'est. Je trouve que c'est plutôt. Ah, il est plutôt bien fait quand même. Il y a des belles petites. Voilà, des jolis petits détails qui font que le jeu est quand même beaucoup plus immersif et qu'on reste quand même beaucoup plus dedans, en soi. Donc là, pour l'instant, voilà, c'est plutôt calme. Pour une fois que c'est un peu calme. La dernière fois que j'étais dessus, bon, ça bombardait pas mal, ça bombardait, c'est vrai. Pour le coup, ça bombardait. Mais bon, en soi, c'est pas très 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 grave quand c'est pas en stress. Alors je sais pas si on voit les véhicules bouger. Non, pas les véhicules bouger. Ils sont assez, voilà, c'est. Pas beaucoup d'appels. Je sens bien qu'il y en a encore un quand même. Quand même, je vous montre un peu. Ah. Alors ils attendent que voilà que tout se, enfin qu'il y ait au moins une intervention qui se finisse. Mais après, je sais pas si les casernes sont vraiment et si vraiment elles sont bien placées. Mais après, c'est Google, donc je me dis que ça doit être quand même être, ça doit être quand même être bien sûr.
au niveau des sièges, je pense que c'est pas. Ils ont pas placé ça comme ça pour faire plaisir. Je pense que c'est vraiment vrai. Ah si, on voit les véhicules bouger, je crois. Le PA a bougé. Ah oui, ah oui. Bon, pas très droit, hein, mais ça apporte quand même un réalisme en plus au niveau de ce jeu. Alors. Donc là, vous faites en mode je suis pas disponible. Je suis disponible. Voilà. Ça. Après, il y a les chats, hein, comme dit, voilà. Vous avez vu. Voilà, donc là, vous avez tous les joueurs. Tac. Voilà. Alors, les gens sont plutôt cool, ils papotent, voilà, ils se donnent des filons, des petits conseils. Donc, ouais, c'est cool, voilà quoi. Donc là, vous avez un peu les hébergeurs qui sont là quand même, hein. Parfois, quand ça part un peu en cacahuète, bah, ils viennent et puis ils disent, bon, les gars, on se calme un peu, on reste gentil, voilà. C'est qu'un jeu, vous énervez pas. Parce que, bon, je pense qu'il y en a quand même qui doivent s'énerver, mais bon. Voilà, moi je trouve qu'il est plutôt cool. Je vous mettrai le lien, bien évidemment, de ce jeu dans la description. Si jamais vous en avez envie d'y jouer, n'hésitez pas à aller, bien évidemment, voir ce petit jeu. Et je crois même qu'ils ont une page Facebook. Je vous la mettrai aussi avec, comme ça vous pouvez rester à jour et connecter avec eux pour voir ce qu'ils font en mise à jour et ce qu'ils apporteront de plus dans les prochains temps, s'ils font une mise à jour. Alors, aucun service contacté. Ben, c'est plutôt calme en fait, hein. Pour le coup, je m'attendais. Allez, ça envoie. Allez, boum boum. Ah non, là c'est. Bon, là c'est calme. Bon, tant mieux. Bon. 4 véhicules en intervention. Bah oui, parce qu'on a le PA en plus, hein, forcément. Ça fait vite du monde. Elle a un peu du mal à se déplacer. Je pense qu'il doit y avoir des petits bouchons par ici. Je vois pas trop où elle est en fait. Enfin, une porte blindée. Oui, à son âge. Oui, enfin, ouais, après, bon. Ma foi. Ouais, il y a des jours, c'est plus calme. Hein. Il y a d'autres jours. C'est un peu moins. Hein? Il y a des jours ça, pff, ça va envoyer, et puis d'autres jours, bah voilà, c'est comme ça. Mais vous inquiétez pas, il y aura de l'action dans quelques secondes, je pense. Il y aura de l'action. J'en suis convaincu. Alors. Allez, encore moi, juste une dernière. Comme ça, je vous montre un peu, un tout petit peu une autre, genre accident, ou feu, ou je ne sais pas. Quoi comme. Donc après, vous avez vu, donc vous avez donc l'abonnement chef de salle jusqu'à 2% plus d'intervention, d'intervention 2 fois plus rapide, réduction 10% des achats d'options département véhicule et chef de salle, gain de pièces chaque jour, évolutif suivant le nombre de jours d'affilée d'activité, changement de département de base. Donc vous pouvez changer votre département de base. Toutes les casernes et véhicules de votre département de base seront supprimés. Le coût pour ce changement est compris entre 50 et 200 60 billets de fonction en fonction de la taille du département. Voilà. Imaginez, vous prenez la BSPP. Oh, oh là. Acheter un département supplémentaire, donc acheter donc des départements supplémentaires, vous permettra d'agrandir la zone géographique sur laquelle vous jouez. Donc là, vous pouvez mettre durée de l'abonnement un jour, nombre de départements 2, et puis voilà, vous sélectionnez, et après vous avez le pack véhicule. Donc 10 engins, 80 billets, 10 véhicules. Donc vous pouvez acheter des packs de crédit véhicules afin de pouvoir obtenir des nouveaux véhicules dans vos casernes à prix réduit. Votre solde 0 billet, achat des billets, voilà, votre crédit, voilà. Donc en gros, vous pouvez. Donc imaginez, voilà, ça coûte quand même assez cher, mais voilà. S'il y en a qui veulent bien jouer, faites-le. Donc là, vous avez Allopass, PayPal, carte bancaire, voilà, hop, tac, tac. Ah bien évidemment, tout dépend de ce que vous voulez prendre. Voilà.
Ça, c'est encore à vous de voir. Voilà. Après, le chat, je vous l'ai déjà montré. Et donc, nous, bah, on a 0 billet, on a que 65 pièces. Voilà. Hein, bon. On va pas aller loin avec 65 pièces. Est-ce que mon OPA est arrivé enfin? Oui ou non? Oui, enfin, alléluia. Allez. Plus qu'à transporter le monsieur. Et eux. Toujours là, toujours en intervention, les VSAV. Oh, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'ils sont toujours en opération. Donc c'est vrai que là, pour le coup, bon. C'est pas qu'on se fait un peu yesh. Mais, on n'est pas loin. On n'en est pas loin. Je ne vais pas vous mentir. On n'est pas loin de... Oh, de se faire un peu... Ouais, de se faire un peu juger. Oui, voilà, oui. On va pas se mentir. Après, vous pouvez zoomer la carte en grand. Bon, ça, c'est vraiment si vous voulez regarder la rue, si c'est vraiment la vraie rue. Mais oui, c'est sur map, donc c'est ça. C'est bien évidemment la vraie rue, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que là, sur le coup, bon... là, c'est là où on se dit, si j'avais su, j'aurais acheté des billets pour avoir plus d'interventions. C'est vrai que là, bon, on s'est un peu chié comme un rat mort, mine de rien. Là. C'est... Ouais, pour le coup, je pensais pas, mais je me suis dit, bon, allez, je vais moi, quand j'ai commencé cette vidéo, je me suis dit, bon, allez, ça va aller, ça va bien tartiner, on va avoir plein d'interventions, je vais refaire une bonne vidéo avec du contenu. Pour au final, non. Non, non. Je me tâte même à arrêter la vidéo là parce que là on est en train de perdre des minutes et puis bon bah, ça sert strictement à rien en fait. C'est là au moment où je vais couper qu'il va y avoir un appel forcément. Sinon ce serait pas drôle, pensez-vous. C'est vrai qu'au moins quand t'as 3 interventions, t'en as encore une ou deux quoi. Surtout que là t'es à Belfort, je veux dire Belfort c'est quand même une grosse caserne, quand même beaucoup plus d'appels que si t'étais. Je sais pas moi, genre, je sais pas, Chaumont, enfin, je sais pas, enfin, je dis Chaumont comme ça peut être une autre ville. Mais bon, t'es quand même à côté de Belfort, t'es à côté de Mulhouse, c'est quand même deux grosses, voilà, deux grosses casernes, quoi, enfin. Quand tu passes l'autoroute et que tu passes les 3 ponts, que tu vois la caserne de côté, tu te dis, bon, c'est une grosse caserne, il y a des moyens, quoi. Voilà, pour le coup. Bon. On va peut-être compter les minutes, hein. C'est dommage qu'il n'y a pas plus d'intervention. Enfin, le jeu est bien, le jeu est super cool, mais ouais, il n'y a pas plus d'intervention. Ça, par contre, c'est le seul. Enfin, si tu n'achètes pas de billets, en gros, t'attends comme ça, quoi. Enfin, tu restes planté un peu. Voilà, quoi. Je vais voir, j'ai 65 pièces, je vais voir ce que je peux faire avec ça, d'ailleurs. Je pense qu'ils prennent même pas les pièces, hein, en soi. Allez, je suis sûr qu'ils prennent pas les pièces. Ouais, voilà. Pas de pas. J'espère que d'ailleurs c'est RC pièces, 65 pièces, je sais pas. Véhicule en renfort. Ah! On a failli attendre! Ah, c'est GG au SAMU. Salut GG! Salut GG, tu peux me faire partir un SAV sur une dame qui présente une douleur thoracique depuis 2 heures environ. Oh, oui, d'accord. Alors. En route disponible, en route disponible. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, dame de 56 ans. Alors, douleur. Douleur, c'était quoi? Hein, thoracique. Hein. Thoracique. Puis, on va marquer ça hein, depuis 2 heures. Point. On n'a pas plus d'infos. Moi, j'ai pas plus en marquer. Alors, on va faire. Donc, on fait là. On fait. Salut, c'est GG. Tu peux me faire déplacer une dame qui va donner des douleurs thoraciques. Mais on sait pas. Alors, je sais pas. Je pense que ça va être donc forcément secours à personne. Mais ça va être chez elle, je pense. Bon, en soi, blessé à domicile. Je pense. Engagé. Ah, j'espère qu'on aura un autre appel d'ici là. Ou poste radio. Attention. Sommes en présence d'une porte blindée. Ouais. Ah non, opération terminée pour EPA. Faisons retour disponible. Dégâts, un carreau au deuxième étage. Bravo les gars, bravo, bravo, bravo. On casse les vitres. C'est super. Bon, c'est bien, c'est vrai. Oui, c'est quand même bien cool. Hein, parce que voilà, il vous met donc toujours hein, l'heure. Donc, toujours le même. J'allais dire.
le même matricule. Et voilà, ça vous met ça. Ouais, c'est plutôt cool. Ça, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Donc là, on a fait partir un VSAV, il me semble, qui part d'ici. Il part de quoi d'ici d'ailleurs? Je sais pas, c'est quoi comme. Comme centre. Ouais, vous voyez, vous pouvez faire annuler départ, remplacer départ. Ça aussi, si vous vous trompez, vous dites oh non, 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 c'est pas celui-là que je lui ai envoyé. Hop, pst, vous faites un petit retour. Boum, bam, boum, voilà. Ça peut se faire aussi. Dans Joutin, j'avais déjà. J'avais un ami qui habitait là-bas. Enfin, voilà. Hop, retour. PSAV. Avant enlevé le monsieur, après bilan, nous laissons la victime dans son lit, nous rentrons. Retour disponible. Ok, voilà, c'est parfait. Bon, vous avez vu ça. Voilà. Vous avez juste à vous occuper, à envoyer les bons véhicules sur les bonnes interventions, prendre les bonnes informations, les écrire. Un peu plus mieux que moi, si voilà, si vous y arrivez. Et après, le jeu s'occupe de tout. Voilà, vous n'avez rien à faire en plus. Juste, voilà. Envoyer les renforts disponibles. Voilà. En soi, si. Voilà, vous aimez pas trop les jeux où il faut attendre, n'y jouez pas, ça sert à rien. Mais si vous aimez bien ce côté gestion, là par contre, faites-vous kiffer, ce jeu est fait pour vous. Voilà. Après, je sais qu'il y a d'autres jeux qui existent, hein, un peu en gestion, mais celui-là, je trouve, au niveau pompier, c'est le plus réaliste, voilà, c'est le plus réaliste, c'est tout. C'est CTA pompier, voilà. Je le trouve très bien, et bravo à ceux qui l'ont fait, voilà. Je tiens à le préciser. Ils ont quand même fait un boulot de fou. Hop là, bon, j'ai oublié de prendre l'appel. Alors, allez, on se fait une petite voix, allez. Allô, les pompiers, je vous appelle car mon voisin ne répond pas quand je sonne chez lui. Je n'ai pas la clé pour entrer. Je vais tous les jours chez lui pour voir si tout va bien, mais impossible de le voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je fais je sais pas, je sais pas. Alors, attendez, on va prendre plus d'informations que ça, quand même, parce qu'au final, bon, là, on nous dit, voilà, ça répond pas, mais si ça répond pas, c'est qu'il doit y avoir un souci, soit la personne a fait un malaise, hein, ça arrive. Personne de 78 ans, voilà, ouais, quand même, hein. Répondant pas, hop. Ne répondant pas, peut-être que c'est une maison, un appartement, alors, hein. Alors appartement. Alors, faut que je m'achète un nouveau clavier, je suis désolé si vous l'entendez beaucoup. C'est vrai que je vais en acheter un nouveau, mais bon. 210, hein, au niveau de la porte. Hop, on va juste faire ça. Hop, tac. On va faire copier. Hop. 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 Voilà, les pompiers sont en route. Vous pouvez raccrocher. Voilà, d'accord. Je vous attends, merci. Donc là, ça va être plus de la. Là, vous me direz dans les commentaires si je fais bien, hein, mais je pense que c'est plutôt le secours à personne. Moi, j'aurais mis reconnaissance. Mais vous avez vu, en reconnaissance, je ne peux pas. Secours d'hiver, pareil. Spécifique, je ne peux pas non plus. Et en divers, je sais pas si c'est peut-être. C'est à la fois compliqué et à la fois se dire est-ce qu'on fait une ouverture de porte ou est-ce qu'on fait pas une ouverture de porte? Est-ce que oui? Est-ce que non? Vous voyez, c'est un peu. En fait, là, c'est un peu compliqué parce que vous êtes entre le secours à personne et à la fois, voilà. Est-ce que c'est. Voilà, moi je pense que je vais plutôt mettre. Voilà, plutôt secours à personne. C'est compliqué, hein. Par les ERP. Ouais, tant pis. On va prévenir la. Non, Samu, on sait pas en fait. Ouais, on va faire ça. Hop, tac. On va plutôt faire ça. C'est plutôt plus simple. Et c'est vrai que là, j'étais entre le secours. À personne et à la fois ouverture de porte. Et là, c'est vrai que pour le coup, c'est compliqué parce que tu sais pas trop comment et tu sais pas envoyer quel véhicule. C'est vrai que là, et en plus, t'as qu'une possibilité de réponse et d'envoi. C'est là où c'est compliqué.
Et là, vous avez vu, bizarrement, je voulais arrêter ma vidéo, il n'y a que des appels. Tant mieux. Alors, bonjour, j'ai vu une voiture faire une sortie de route et le mec est sorti, mais il a l'air un peu sonné quand même. Voilà, donc là, on n'a pas plus d'infos. Nous, on va marquer AVP. Donc, accident voie publique. Je sais pas si vraiment c'est vraiment accident en voie publique, hein, mais voilà. Alors, attendez, si vous le voyez, vous me le dites, hein, en soi. Accident, il était bien au-dessus. Problème, accident de circulation, voilà. On va prévenir le SAMU et la police, là pour le coup, on sait jamais. Peut-être que c'est quand même un peu plus grave, il a l'air quand même sonné, donc peut-être une perte de connaissance par la suite. Donc VSR, hein, voilà, pompier 3, VSAV 3, VSR 4, voilà. Là, on fait engager, boum, hop. Donc là, vous avez vu, hop là. Donc ça, après, vous le savez, si ça, c'est avisé de partir ou pas. Voilà, ça, vous le verrez, bien évidemment, dans le poste radio. Et nous, voilà, donc, l'accident est là. Nous, notre petit, c'est un... D'accord, c'est, je sais pas si c'est logique. Ils ont pas l'icône VSR peut-être, parce que s'il vient à l'autre bout de la ville, non, c'est bien celui-là. Pour le coup, c'est bien celui-là. Un peu bizarre. Disponible, disponible, indisponible, disponible, sur lieu, parti, sur lieu. Ouais, ouais, ok. Celui-là. Ah, celui-là, il est parti. Ouais, bon, après, les trucs radio, ne le regardez pas trop, sinon vous allez perdre un peu la tête, vous allez dire, oh là là, tellement de trucs à regarder. Le mieux c'est quand il y a le talkie-walkie qui sonne, c'est le mieux c'est voilà. Tu vois, je veux dire, il faut bien regarder majoritairement si. Vos véhicules sont... Alors attention, là donc partie, transport CH, là vous pouvez aller à la radio, à la limite, faisons le RAP jusqu'au bout. Assurons le transport d'une femme de 48 ans ayant chuté sur la voie publique, après bilan, passé SAMU. Avons relevé le monsieur, après bilan, nous... Ah, non, c'est ok, c'est déjà fait, c'est déjà fait, allez hop, déjà fait. J'aimerais bien savoir si le VSR pourrait partir. Qu'en dites-vous? Enfin, le VSR, ça me paraît bizarre comme VSR. Ouais. C'est un FPT. Ouais, après, ouais, je sais pas si. Je sais pas, c'est bizarre. Je suis sur le truc, il te met VSR, puis là, il te met ça. Bon. On va pas chercher à comprendre. Ne cherchons pas, ne cherchons pas. Donc voilà, comme dit encore une fois, le lien sera dans la description, bien évidemment, du CTA Pompier, leur page Facebook aussi. Allez mettre un petit pouce sur leur page, ça leur fera toujours plaisir, ça les motivera à continuer ce petit jeu et à l'entretenir correctement et à faire des mises à jour assez régulières sur le jeu. C'est vrai que sur le coup, ça vaut quand même le coup de faire plaisir à ces genres de personnes qui font quand même des super beaux boulots et qu'on ne revoit. C'est vrai que je vois très rarement de ces vidéos-là. Et pour le coup, j'avais envie de vous montrer autre chose, l'envers un peu du décor, que de jouer avec les camions. C'est aussi bien de voir un chef opérateur de salle opérer avec les engins disponibles qu'il a sur son centre de secours, avec diverses interventions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'activer la petite clochette, justement, pour les petites notifications. Et nous, ben, écoutez, on se dit à très très bientôt. Allez, bisous tout le monde.